je voulais vous montrer du coup le résultat du dessin que j'ai fait pour aménager l'espace végétal à peu près à cet endroit de la maison. Il s'agirait de faire une énorme plate-bande ici et qui remonte vers la maison aussi pour indiquer un petit peu le chemin, pour permettre de ne plus voir la voiture quand on est dans la piscine, parce que je trouve pas ça très esthétique. Pour ce faire, j'ai pensé qu'ici je pourrais mettre un saule crevette ici, de l'herbe aux écouvillons. C'est surtout parce que ça se développe très rapidement et en fait ça fait un magnifique brise-vue. Ici, je veux absolument planter un mimosa parce que j'adore le mimosa. Ici, je voudrais planter des hémérocales pour avoir une petite couleur orangée. Et ici, des agapanthes parce que ça se développe très vite. Et surtout, ça s'adapte de plus en plus au climat. Ici, des iris parce que j'ai une amie qui m'en a donné plein. Ici, des agapanthes. Je planterais bien un yucca ici pour mettre une touche d'exotisme. Encore des agapanthes, un beau palmier ici et des fuchsias que la même amie m'a donné. C'est aussi la même amie qui m'avait donné ses iris. Alors bien sûr, la première année, ça sera pas fabuleux, mais comme tout ce qui est végétal, je pense qu'au fur et à mesure des années, ça peut devenir vraiment sympa. Pompon, est-ce que t'es d'accord avec ma plate-bande? T'es encore en pyjama? Et nu-pied? Ah, j'ai les pieds froids. Non mais Marius, j'exagère. J'ai pas fait exprès. Il faut trier le tri sélectif. Je vais débarrasser. Haha, t'es prête pour la quête aux bonbons? Chapon. Ah, c'est déjà pas mal, hein? Si quelqu'un t'aime. Ouais. On est dans le noir complet. Déjà prêt à aller faucher des bonbons devant Romy. On est sur un chemin de campagne totalement noir. As-tu peur? Retourne-toi. Romy. Waouh! Pas mal quand même. On se retrouve devant le dispositif impressionnant pour le concert de dans quelques jours, si vous voyez autour de moi. Ici, il y a mon ordre rouge que j'utilise pour aider les percussionnistes parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Et je jongle aussi avec le piano. Donc on est en répétition depuis déjà 3-4 jours sur plein de projets. C'est fatigant. Parce que là, il y avait une répétition ce matin à 10h, une autre à 14h, et il y en a une autre ce soir à 20h jusqu'à 22h30. Et demain, on renchaîne. Le lendemain, on est au théâtre. Et le lundi, j'enchaîne 4 concerts. Donc là, vous voyez, le rythme est soutenu. En plus, il fait super froid. On a l'impression qu'ils veulent pas allumer le chauffage. Du coup, je joue carrément avec mes mitaines, moi, parce que j'ai froid, en fait. On va aller sûrement manger rapidement, et après, on va faire la répète du soir. Un Happy Meal à 15 ans. Ça fait
30 ans que je suis pas allée au McDo. Je te faisais la liste de tout ce que je voulais, je pense que la liste est assez courte. Sur mon pantalon, c'est un peu grand. Et puis regarde là, j'ai un trop petit cul. Regarde. Ah ouais, t'as un trop petit cul. Si tu prends taille 12 ans, tu vas plus le mettre d'ici 6 mois quoi. Il va sans doute être le petit gosse là dans Leonardo DiCaprio dans Titanic. Dans Rémi campagne. Sans famille. Voilà. Je sais, merci. Seulement en 4 jours, donc ils ont vraiment très 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 bien travaillé. C'est dingue le travail de ces araignées. Il est 7h du matin. On entend encore la chouette. Et alors, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'elle est en plein dans le vide. De l'agapanthe ici, au palmier. Ça fait vraiment un effet bizarre de voir cette plante intégralement colonisée par les araignées. Le tatoué m'attend pour faire un petit tour de voiture, parce que je ne sais pas conduire les voitures électriques et ça me stresse. Donc il m'a proposé de venir tester. Bon, allez, on va apprivoiser la bête. Parce que, je sais pas pourquoi, j'ai pas spécialement confiance en moi-même.
mode break, et donc charge. Là, en fait, on roule et on charge en même temps. Donc, on consomme pas. Ah, en fait, le matin, j'arrive pas à le faire, mais en rentrant, j'arrive. Mais pourquoi t'arrives pas à le faire le matin? Bah, parce que je suis sur les gros axes, en fait, je suis sur le périph et je roule plus vite. T'as vu que la voiture, elle sait qu'on doit être à 50? Pourquoi? Regarde, elle a détecté qu'il y avait un panneau 50, donc je suis à 50 là. Faudrait obliger les gens à rouler à la bonne vitesse. J'ai des infos statistiques. Là, j'accélère, là, je suis obligé d'accélérer, on est en montée. J'ai mon autonomie qui est marquée, t'as vu? Là, ça fait 3 jours que tu roules en électrique et t'as encore 214 km d'autonomie. Ouais, j'ai bouffé presque la moitié de mon plein quand même. C'est vrai qu'on n'entend pas grand chose. Je trouve que ça te met dans un climat un peu de sérénité où t'as envie de rouler tranquillement. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que le moteur, ça contribue à ton stress. Moi, je me détends quand je rentre en fait. Elle est sympa la voiture. Ouais, elle est belle. Ouais, c'est pas mal. Hein. Tu branches ton chargeur. T'as juste à faire ça. Un truc. Tac. D'accord. Ça se met en charge automatiquement. Ok. Donc c'est pas si compliqué que ça en fait. Bah, Pompette, tu me dis quand est-ce que je peux me remettre à travailler, hein? Non, c'est pas maintenant? Non, toujours pas. J'ai pas de mots sur tes pieds. Bon, d'accord. C'est compliqué de travailler avec vous, hein? Ah, mais moi, au moins, je fais pas de bazar et je fais... Oui, elle fait pâte de velours dans le vide. C'est rigolo comme concept. C'est un cératé, effectivement. Il gobe. Je vais vous montrer un peu le plateau vide et la salle vide puisqu'on est le midi et qu'il n'y a plus personne. Donc là, on rentre côté jardin. Voilà la salle qui est pleine en général, heureusement pour nous. Là, c'est mon espace avec le Nord sur lequel je joue et je jongle avec le deuxième piano. Un magnifique Steinway, très très long. J'aimerais bien en avoir un comme ça à la maison, mais ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est toujours les percus. Là, on a la place du chef et la fameuse baguette.
Et le canapé, non? C'est quoi? Il est le poupée. Elle a vraiment arraché cette feuille. Pompon, non mais t'es trempée comme une soupe. Non mais j'ai jamais vu ça. T'as pris carrément une douche. T'as du boulot là. Aujourd'hui, on est invité chez des amis toute la journée et attention parce qu'ils ont prévu midi couscous et soir raclette. Autant vous dire que ce matin, j'ai juste bu un café. Dans l'histoire, heureusement que seuls les enfants sont concernés par la raclette parce que moi, je dois rentrer pour travailler parce que je peux pas me permettre de passer une journée comme ça sans travailler du tout mon piano. Parce que je vous avoue que j'ai pas du tout envie de grossir avant de ma série de concerts, j'aimerais bien rentrer dans ma robe, mais en même temps, j'ai pas envie de me restreindre non plus parce qu'il faut profiter de la vie, voilà. C'est toujours la même bataille entre raison et pulsion. Pour l'influenceuse, tout ça, c'est incroyable le pognon qui gagne. Mais oui, c'est fou. Miam, miam, miam. Je sers. Ah bah oui. Tu sers pas à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon ancien vlog, j'avais acheté cette petite figurine d'Halloween pour Emma qui avait fait une crise de jalousie. Bon, finalement, je me suis fait avoir parce que elle s'est dit « Oh, j'ai la flemme de la peindre. Est-ce que tu peux le faire à ma place ?» Donc, je me suis retrouvée à peindre cette petite figurine et voilà le résultat.
J'ai peint une petite sorcière un peu de mauvaise humeur. Et pour faire plaisir à Emma, je lui ai fait la robe de Serpentard. Eh bien écoutez, je me suis bien amusée à faire ça en fait. J'ai trouvé ça relativement cool. Et j'ai décrété que ce nouveau personnage de Harry Potter serait la petite sœur de Drago Malfoy. Je l'ai appelé Sombra Malfoy. Il y en a qui chauffent sur 50 points là, mais il y en a qui chauffent sur la même date. Ah oui, c'est vrai, c'est pour la prochaine fois ça. Pour la coupe de cheveux. Ouais, exactement. Bon, je pense qu'ils ont quand même fait quelque chose. En direct des loges. On a fait deux concerts ce matin. On va faire deux concerts cet après-midi. C'est un rythme quand même relativement soutenu, faire quatre concerts dans une journée. Mais on va tenir, sachant que cet après-midi, je dois en plus donner mes cours. Donc, c'est une bonne journée. Comme vous voyez, tous les instruments sont au repos en attendant que les musiciens finissent leur pause déjeuner. Donc tu composes ces chansons. T'as les paroles ? C'est la sorcière, c'est de l'hyper qui n'est pas ordinaire.